Passage, deuxième passage, je vais rajouter mon pied. D'accord ? Donc je pose plus mon genou, je m'assois, alors j'ai pris. Bon. J'ai pas d'action de poussée, c'est juste un positionnement. Allez, go ! Genou, épaule, épaule. Passage, deuxième passage, je vais rajouter mon pied. D'accord ? Donc je pose plus mon genou, je m'assois, alors j'ai pris. Bon. J'ai pas d'action de poussée, c'est juste un positionnement. Allez, go ! Je ne sais pas si c'est
sur le dos,
sur la tranche face à mon pare-tête. Donc je fais ma chute latérale. Il met derrière le levé. Donc je fais la même chose. Je chute et je viens positionner mon pied sur la ceinture. Voilà. Je peux prendre le kibikata ou les démons, ça n'a pas trop d'importance. Donc je fais la même chose. Cette fois-ci, je ne fais pas. Je lâche pas la garde et je viens positionner mon pied. Donc je vais me positionner, mais je ne vais pas avoir d'action sur le partenaire. Le partenaire, il va faire sa chute tout seul. Je me positionne, je pose mon pied et... D'accord. Et la dernière, on va faire moi. Alors, ok. Donc, je vais m'en là. La chute latérale. Ça fait déjà au niveau. Donc, la chute. Et moi. Moi. Donc, il fait sa chute. Et il fait sa chute. Ok. Allez, go. Ouais.
le pied barrière, hein, le pied vient pas sur la ceinture, sur le nœud de ceinture, pardon, quand mon pied plate latéralement, il faut que j'arrive à bloquer son corps. Si je mets mon pied sur la ceinture, il y a de fortes chances qu'il passe au travers. D'accord, donc je viens bloquer latéralement. Allez, bon. Pour la majorité, vous avez tendance à fermer trop tôt. Voilà. Moi, c'est ma manière de faire. Encore une fois, je n'ai pas la science absolue. Parfois, dans certains yokotops, on voit des gens qui ferment tout de suite pour le faire. Bien sûr, c'est une possibilité et ça marche. Moi, j'aime bien avoir, encore une fois, dans le sutemi, l'ouverture. Dans toutes les techniques de mon judo, j'ai besoin d'avoir de l'ouverture pour me positionner et de la fermeture pour faire chuter. Si j'ai fermé tout de suite mon partenaire, j'ai un peu fixé mon partenaire. Ça me demande beaucoup plus d'énergie. Donc, fais du mouvement, de l'ouverture, hein, et voilà, du pied, je me forme. Hein, si j'ai mis, je me sers de mon corps pour déséquilibrer. Donc, ouvrez, sans fermer. La fermeture, c'est quand il peut toujours tomber. Ouvert. Pas facile en vitesse lente, mais là j'amène mon partenaire sur ma jambe et une fois qu'il est décollé le pied, j'accélère, hein, la fermeture. Je mets du coup de volant. C'est pas trop tôt. Bon, après on peut rajouter voilà, on peut faire sur une esquive. Après la forme Tachiwazaki, hein, mais ça vous êtes un expert à faire. Je peux aussi travailler sur un mode de déplacement. Hein, ça je trouve aussi intéressant pour démarrer le mouvement. Hein, on observe, faire un petit peu d'observation. Un petit peu. Il va falloir qu'on tourne le plus possible. C'est droitier, c'est gaucher. Mettez les pieds sur la même ligne. On fait une course. Ça m'est arrivé là-bas. D'accord, observez ses pieds. Ouais. D'accord. Donc, droitier, vous avez vu ce qu'il a fait. Il n'est pas parti pied droit. Hein. Il est parti pied gauche pour démarrer. Donc c'est la même idée. Dans cette position, et pour démarrer le mouvement, je vais servir de mon pied gauche. Et mettre un petit peu en rentrée. Hein. Hop, mettre un peu de pied gauche pour en mouvement par contre. Ouais, ça, on peut l'utiliser aussi dans... Dans les autres techniques, hein, c'est une manière pour moi de le mettre en mouvement. Okay. Donc, trois petits. Alors, je pas ça. Hein, c'est quelque part, j'enlève mon appui en fonction. Quand il part en courant, hop, il recule pour déséquilibrer, pour partir. Donc, j'enlève mon appui. Alors, on va changer un petit peu de direction. Hein, moi, ce n'est pas forcément latéralement que je le ferai. On va travailler un petit peu sur le déséquilibre. Hop, j'approche le partenaire, je mets une main sur les épaules. Maintenant, ce qui est important, c'est d'éviter de partir en arrière avec les épaules. C'est mon bassin qui va travailler. Vous avez fait de l'action pour mon partenaire. Alors, on peut faire. Déplacement, il arrive un petit peu. L'idée c'est de transférer le pied, la force du pied avant, vers la force du pied arrière. Hein, souvent, l'erreur que je rencontre c'est que les gens ils démarrent du pied arrière. C'est difficile, hein. Mon pied par rapport au bassin il est en arrière. Donc d'abord, passer mon bassin derrière. Quand je tire avec mes épaules, hein, c'est mon bassin qui travaille. Vas-y, allez, vas-y.
Hein, mon corps, il n'a pas bougé. Ah, je démarre et j'accélère après. Ok ? Voilà. Du souhait. Par rapport aux appuis, c'est pas un pas chassé. Hein. Tu vois souvent. Hein. Non. Comme on tire à la porte, c'est tout à fait la même chose. Et je change d'appui, je transfère mes appuis. Allô ? Pour moi, c'est d'emmener mon partenaire. D'accord, c'est pas mes épaules, hein. Mais quand je démarre ici sur la flexion, sur la rotation, sur l'orientation du bassin. Juste l'orientation du bassin, ça met en tension mon partenaire. Oui, c'est des épaules tournent, donc je suis en tension. Ah. Et après, je suis sur la tranche. Gardez la position des épaules. Hein. Le fait d'avoir ses mains vous permet de garder cette distance. Si vous faites sans les mains, hein, indéniablement, vous allez vous éloigner, vous mettre en tension vers l'arrière. Ça, j'ai besoin de garder ça, la position du bout du corps, elle ne bouge pas. C'est mon bassin qui travaille. Hein, vous avez vu, il n'y a rien qu'un numéro. Hein. Donc, orientation, et je tire. Hein, je tire sur le côté. Hein, je transfère bien avec mes... Okay. Ensuite, le rôle du partenaire. Tu vas faire. On va sur les épaules. Voilà. Donc au départ, voilà. Je vais rajouter un petit peu pour qu'il démarre. Pour qu'il mette l'énergie suffisante avant pour démarrer le déséquilibre. Ensuite, je vais freiner pour qu'il sorte un petit peu. Et après, je vais lâcher pour le mettre dans le déséquilibre. Et moi, je vais faire ma chute. Alors au début, on est dans le rôle du partenaire, pour qu'il passe lui. Hein, pour pas que le partenaire lui passe et que le partenaire ait peur. Donc, au départ, ça vient de lui. C'est lui qui va faire des choses pour apprendre les directions et ne pas avoir peur. Hop. Alors tout ça démarre des pieds. Allez, go. C'est pas grave. Allez, prends les pieds. Un plus fort les pieds. Là, j'ai beaucoup de force au niveau du bassin, j'ai pas assez de force au niveau des pieds. Thank you.
une dizaine, ça peut être. Alors, on a un partenaire qui a une tendance un petit peu à aller à l'opposé. Hein. Je ferme quand je prépare. Même si un appui parfois dans le monde. Allez, go. Et faire un retrait de mon épaule pour démarrer le mouvement. Donc, je pousse, je récupère, je démarre. Et après il retrait de l'épaule, hein. C'est ça. Ça c'est important, vous avez vu, encore une fois, action-réaction. Hein. Et ça c'est important pour la technique, c'est de mettre mon partenaire. Alors, il y a parfois un petit peu de déplacement, mais c'est mon partenaire. On avance. Hein, c'est comme le verre à moitié plein, moitié vide, quand il est. Attends, je sais pas. On ne sait pas s'il va tomber en avant ou en arrière. Ok, donc moi je cherche à mettre mon partenaire dans cette position. Alors pas trop tôt, ok, maintenant, je suis dans mon partenaire.
prendre le tapis, donc pas beaucoup de biais. Mais j'amène mon partenaire sur, sur le tapis. Surtout, je ne dois pas relâcher. Je relâche. Si je fais ça, je relâche. C'est plus compliqué. Pour une fois, ça veut dire que ça va marcher, mais ça me demande plus d'énergie.
Plus qu'on fait, c'est que les éléments, c'est que les éléments.
Il va repousser, hop,